Donc aujourd'hui, cette première session, on va parler de radar. C'est un framework de reverse engineering qui a eu pas mal d'attention ces dernières années. On l'a même vu sur Mr. Robot, la série télévisée. Il a par contre une réputation d'être, de ne pas être simple, plutôt compliqué à utiliser. Mais donc, pour régler le problème sur tous ces mythes, nous avons ici Sergi Alvarez, connu aussi sous le nom de Pancake, qui va nous démystifier le produit et tout nous dire sur Radar. Hello. Bonjour. Donc, cette présentation est sur la démystification de Radar. Je vais essayer de vous expliquer le produit et les raisons derrière ce titre. Donc, qui je suis, Sergi Alvarez, aka Pancake. Je travaille chez NowSecure, je fais des recherches sur la sécurité mobile. Je suis aussi auteur de Radar 1 et 2. All of them open source. Donc, et d'autres outils open source. I've been messing with Bluetooth, I've been coding assembly for video codecs optimizations. Je fais aussi du codage Bluetooth, X4, des optimizations pour X86. Also, I've been doing forensics, working as a system des firmware, I'm mainly doing stuff at low level C, but also du forensic, du sysadmin, du web et du développement. What's Radar? Well, qu'est-ce que Radar? Open source reverse engineering. C'est un outil gratuit open source, un framework. C'est, on a un focus sur la partie portable, extensible et expressive. C'était un projet qui a commencé en 2006 pour le fun et on a eu une réécriture complète en 2009 et très peu de contributions depuis 2013. Principalement développé par moi, mais pour des raisons personnelles, j'ai pas énormément avancé ces dernières années. J'ai étendu l'outil à chaque fois que j'ai eu quelques idées. Make it more modular, implementing different libraries and supporting different scripting languages. Donc le support de différents types de langages de scripting et différents types de librairies et des API étaient there was really few contributors until 3 years ago. Il y avait peu de personnes qui ont participé jusqu'à 3 ans et il y a beaucoup d'utilisateurs et maintenant beaucoup de contributeurs. J'ai 2-3 Il y a quelques utilisateurs sur Telegram et IAC et Twitter. Et cette année, j'ai fait le premier congrès, j'ai organisé le premier congrès à propos de l'outil. C'est la troisième année où nous organisons un Summer of Code. Donc c'est très actif et il y a beaucoup de gens qui participent. À quoi ça veut dire quoi Radar? C'est Raw Data Recovery, récupération de données brutes. J'ai commencé ça pour de la forensique, pas pour un debugging. Donc, ça arrive avec un éditeur X. Ça permet d'assembler des assemblées. On peut créer des plugins pour chaque fonctionnalité. Ça supporte beaucoup de fichiers, de formats, formats de fichiers. On essaye de tester tous nos outils pour trouver des bugs dans nos parseurs. C'est principalement de l'analyse statique, mais il y a aussi de la possibilité pour faire. Ça peut faire calculer de l'entropie, calculer des hashes, chercher des différences entre différents fichiers. Il y a aussi un émulateur pour API, pour faire des wrappers pour les plugins, des émulateurs comme Unicorn.
Il y a aussi des fonctionnalités pour exploiter, donc générateur de payload, etc. Il y a aussi du scripting. Il y a tant d'extensions et de plugins et que les gens utilisent que je ne veux pas non plus mettre tout ça dans le cœur. Donc, on a une façon simple pour tout le monde d'installer ces plugins. Qu'est-ce qu'on peut inspecter? Ce sont des exemples de ce que font les gens avec. Donc il y a les Pokémon ROM pour le Game Boy, il y a Street Fighter, il y a iWatch, DNA, Sequencer, etc. Mais attendez, on va essayer de parler sur le mythe. Donc, on va expliquer les mythes. On va expliquer ce que pensent les gens à propos du projet. Donc, beaucoup de gens pensent que Radar n'est pas stable, et ils pensent que c'est difficile, qu'il y a beaucoup de commandes, que c'est difficile de s'en souvenir, que c'est buggy, que ça ne peut pas décompiler, que le debugger est cassé, enfin, déconne. Mais on va essayer de voir qui d'entre vous connaît Radar. Ah, à peu près tout le monde a regardé le site web avant d'utiliser. Combien de personnes l'utilisent? Ok, la moitié. La moitié des gens qui sont là. C'est pas mal. Donc le premier mythe, c'est que c'est difficile. Parlons-en. Donc, ça, c'est la, à propos de la, donc, quand on connaît rien, on est le point où on est prêt à faire quelque chose, c'est un graphe. En fait, c'est difficile d'apprendre, mais on peut aussi voir, on peut aussi comparer cette courbe avec l'utilisation de Git ou d'autres choses. Il y a beaucoup de commandes, mais il y a une certaine logique derrière. Donc, si on comprend la logique, ça permet d'apprendre par soi-même. Donc, si vous comprenez la logique, il y a un certain nombre de commandes. On peut mélanger les commandes pour créer des nouvelles fonctionnalités. On peut généralement hacker le code. On peut modifier et changer quelque chose. On peut écrire des plugins, on peut écrire des scripts, pour créer de nouveaux langages de script pour étendre les fonctionnalités. On peut ajouter des outils, baser des outils là-dessus. Donc, parlons de la difficulté. Donc, les commandes sont des mnémoniques. Donc, elles sont construites de lettres, et chaque lettre veut dire quelque chose. Elles sont structurées de façon que la première lettre, c'est la raison pour la commande. Par exemple, P, c'est pour imprimer. La deuxième lettre, c'est que voulez-vous imprimer, désassembler, est-ce que vous... en octal, etc., etc. Donc, ça ressemble beaucoup à Unix au niveau des conceptuels. On peut utiliser des pipes, on peut utiliser des redirections, on peut utiliser grep. Tout ça, c'est dans l'outil en lui-même. On peut l'ajouter dans le shell, mais on peut simplement envoyer le binaire sur une plateforme et on aura un shell complet dedans. Donc, on n'aura pas besoin de rajouter toutes ces données, c'est tout dedans. Ça essaie d'être orthogonal, ça veut dire qu'on peut mélanger différentes commandes. Donc, faisons une démo rapide. Quelles commandes sont les commandes de base? Et on a besoin de se souvenir de 5 commandes. Après ça, c'est bon. On peut commencer à ajouter les modifiers. Mais les commandes de base sont celles-ci. Donc la démo, on peut ouvrir un fichier. On peut chercher à n'importe quel endroit. On va zoomer un peu. On peut chercher par exemple this address. We can print this assemble of this address. On peut imprimer désassembler cette adresse.
On peut faire un retour de recherche. On peut utiliser aussi un point d'interrogation à la fin de la commande pour afficher les options. On peut faire des recherches relatives comme ça. L'autre commande, c'est P pour imprimer. On peut faire un print de différents formats. On peut imprimer des instructions JSON. L'autre commande, c'est W pour attendre. Je vais activer le cache. Si je veux écrire quelque chose ici, il faut que j'active le cache. Je peux écrire, par exemple, les premières instructions. So the WB command allows you to write things in there. You can write experts, you can write assembly. On peut écrire différents types de fichiers, différents types d'informations. And then the last command, and not for this last. Et la dernière commande, c'est le Q, bien sûr, pour quitter. We can see that there are some modifiers here. On peut voir qu'il y a des modificateurs, des options. If we are disassembling like this, si on fait un disassembling comme ça, we can also grep for, on peut rajouter des commandes, faire des greppes. We can also count the number of calls. On peut aussi compter le nombre d'entrées, d'output. Et si on a une longue liste, d'abord on va, il va nous demander si on veut vraiment afficher la liste, et sinon on peut trier en plusieurs affichages. On verra plus de commandes après ça. Donc, le radar est structuré en différents modèles. On a la librairie avec toutes les dépendances internes. On le voit ici sur cette topologie. On a each other library, linking against other ones. RUtil is the basic. Rcore, on a RUtil, la librairie de base. Si vous voulez faire un port sur une autre plateforme, il faut juste changer quelques petites choses, celles qui ne sont pas portables. Mais on peut aussi le faire avec le debugging, donc c'est relativement facile à porter. Toutes ces librairies permettent d'échanger des plugins. Elles sont toutes dans le API, dans le directory, dans le répertoire. Il y a aussi ceux qui contiennent des répertoires. Donc, on peut voir ce qu'il y a dans les librairies, bibliothèques, tous les modules. Donc, il y a un autre mythe qui est que c'est inutilisable pour de la forensique, donc pour de la recherche légale. En fait, ça a été le premier but du projet, donc il y a certaines fonctions dedans qui sont très bien pour la forensique, mais il y a d'autres outils qui sont utilisés uniquement pour la forensique, donc qui sont probablement plus pratiques pour la forensique. Mais on peut faire de la forensique avec radar. On peut aussi, par exemple, ouvrir des disques. On peut ouvrir différentes des ROM. On peut aussi écrire un R2K Linux ou Windows qui permettent de mapper de la mémoire du kernel. On peut monter des systèmes de fichiers et pour essayer de comprendre les partitions système. On peut aussi en faire ça en groupe. J'ai fixé un certain nombre de bugs là-dedans. C'est aussi facile pour les fichiers connus, enfin les formats connus. On peut regarder le contenu d'un dump mémoire pour examiner la mémoire. Donc, on peut calculer des checksums par incrément ou par bloc. Si vous avez un MD5 sur chaque giga, vous pouvez comparer avec différents dumps et comparer quelles parties du fichier ont été changées. Vous pouvez aussi changer les plugins pour les entrées-sorties.
Comme je disais, toutes les entrées et sorties, c'est un bundle. Donc, ça permet de faire des plugins pour à peu près tout. Il y a des plugins sur Gzip, pour les images Gzip. On peut charger, on utilise des plugins avec cette commande. Et ça, c'est la liste des plugins qui peuvent être utilisés pour ouvrir des fichiers locaux ou distants. Le flag -grand L permet l'assemblage et le désassemblage. Enfin, les plugins d'assemblage et de désassemblage. On a pareil pour Rabin 2 qui permet de lister les plugins utilisés pour les systèmes de fichiers supportés par le projet. Donc, faisons la première démonstration. Nous avons un fichier, donc ça ressemble à rien. Il n'y a rien d'intéressant. On peut regarder le calcul RCP d'entropie. Il y a des zéros, mais c'est l'entropie est relativement haute. Donc, on va essayer de trouver un système de fichiers. Slash M, ça cherche, c'est magique. C'est pour trouver le type. Il semblerait que ça ait trouvé quelque chose à cet offset. Donc, on va aller là-bas. Write the file. On écrit le fichier. Nous avons créé un nouveau fichier avec le contenu qui commente à l'offset auquel on était. On va l'ouvrir. C'est un gzip. Donc, on peut l'ouvrir avec comme fichier gzip. Et maintenant, nous voyons quelque chose là-dedans. On peut voir que c'est un fichier FAT. Donc, on va le monter la partition. Donc, on va dire que c'est qu'on va monter ça dans route avec FAT à l'offset 0. On pourrait monter différemment. On pourrait monter différents offsets dans le fichier. Ensuite, on va faire MS, qui est le shell à l'intérieur du système de fichiers monté. On peut voir le contenu du fichier. Donc, on peut voir ce qu'il y a dans PIN. On va récupérer ce fichier. On peut l'ouvrir ensuite. Et on voit que c'est un Linux ELF, un programme LS standard. Donc, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont pratiques pour la forensique. La prochaine chose, c'est que l'analyse est lente. C'est vrai que l'analysis, c'est très lent, c'est bloquant, parce que ça prend du temps et qu'il faut récupérer toutes les informations avant de faire quelque chose d'utile. On peut faire ça en arrière-plan, mais ça prend du temps. Et il faudrait mettre beaucoup aussi de mutex dans la logique de l'analyse. Ça le ralentirait encore. Ça marche pas si bien que ça pour les grands binaires, pour les gros binaires. Mais c'est pas forcément capable de trouver toutes les fonctions, mais il y a une règle pour trouver plus de A après d'autres A. You will analyze all the symbols. If you add A, you will do more analysis. On va faire encore plus d'analyses. Et plus on fait d'ajout de A, ça permet d'avoir beaucoup d'eau. Et les gens ajoutent toujours des A pour avoir plus d'analyse. Donc il y a beaucoup de configurations pour cette commande. Et là, on a écrit un post de blog pour expliquer toutes ces choses-là. Contactez-moi si vous voulez de l'aide. Mais attendez un petit peu. Mais je pense que ça va être bientôt fini. Mais si l'analyse ne fonctionne plus, et ça peut être vraiment très lent, donc il va falloir trouver une autre chose pour résoudre le problème. Donc 90% des problèmes peuvent être résolus, au moins mes problèmes. Je peux simplement analyser 10% ou une partie du problème, récupérer les informations dont j'ai vraiment besoin, au lieu d'analyser tout le binaire.
Donc, généralement, tu cherches juste une chaîne de caractères, des références pour cette chaîne de caractères, ou des références pour une fonctionnalité. Et ensuite, on analyse 5, 10 fonctions. Et après ça, on n'a pas vraiment besoin de plus d'informations. Donc, on peut juste utiliser la commande pour récupérer juste les informations dont on a besoin. Analyser, ça va, du coup, ça va beaucoup plus vite, puisqu'il y a moins de contenu. Et on improve, on s'améliore régulièrement. Donc, on récupère des fixes et puis on récupère des analyses plus rapides. Donc, il faut aussi comprendre la logique derrière toutes ces commandes et ces options. Mais on va voir quelques-unes. Donc voilà la première démonstration. On va ouvrir un Hello World. Ouais. On va faire une analyse, on va lancer l'analyse. Donc voilà, la librairie est assez grande. Le binaire est super grand. Oui, parce qu'il est statique. Ça a pris 8 secondes. Donc, après ça, on peut rechercher le string. Et donc, on voit qu'il y a une référence. On clique sur, on peut ouvrir la référence. The hello world string is referenced in this layer instruction. Donc on peut voir que la chaîne de référence hello world est référencée dans ce caractère. Donc ça nous a pris 8 secondes. C'était un exemple simple. On va faire la même chose en utilisant ce script. Donc il va ouvrir la chaîne de caractère hello, il va rechercher ces caractères, on définit une taille d'IO pour accélérer la recherche, et donc on exécute le script, et ça nous a pris 2 secondes, presque 3, et il nous a identifié le même offset. You can speed up a lot the analysis. This is a simple example, but it can be c'est un exemple simple. Much more difference if you try to in a big binary. Et bien sûr, il y a des différences si vous avez un binaire plus grand. Sometimes the references are not that clear. Parfois, les références ne sont pas si claires. And we can seek to the hello world string. On peut rechercher la chaîne de caractères hello world. On voit qu'il n'y a pas de référence parce qu'on n'a rien analysé. Donc on va regarder les options d'analyse. On va lancer toutes les options d'analyse. Et on voit qu'il y a une référence ici. Et si on essaye d'analyser d'une manière plus simple, on voit qu'il n'y a pas de référence. Et la raison, c'est parce que dans les architectures ARM, vous avez besoin d'émuler pour pouvoir récupérer les références. Donc si on va sur le nom, on voit que le printf nous récupère la fonction d'émulation. And using emulation, you will see that, on utilise every instruction is getting emulated, and then l'émulation et on voit que toutes les instructions sont émulées et on récupère les informations. Donc on a les références pour les. Et on trouve la référence de la chaîne Hello World. Il y a la commande AAE qui est l'analyse en utilisant l'émulation.
Par exemple, en MIPS, c'est très pratique. Il y a d'autres possibilités pour récupérer les. On peut aussi utiliser les références avec A à B en utilisant des pointeurs sur les données ou des pointeurs vers, les différents, vers la même utilisation. Et il y a d'autres sous-commandes. Il y a d'autres choses que ce n'est pas documenté, mais ce n'est pas vrai. C'est documenté en C. Il y a l'aide en ligne dans chaque commande. On peut récupérer l'aide en ligne pour, dans chaque browser ou dans le book. Il y a un book que j'ai écrit dessus et un margin pour R2. Il y a des, il y a beaucoup de présentations, des slides, des posts de blog, des tutoriaux sur YouTube. Donc c'est pas vraiment pas documenté. Des fois, c'est vrai que c'est difficile de trouver l'aide, mais il y a toujours IRC et Telegram, et vous pouvez demander là-bas et ça peut aider. Ensuite, on va parler de la compilation. Radar 2 n'est pas capable de décompiler. Ça peut faire des choses qui peuvent ressembler à de la décompilation, mais qui ne sont pas de la vraie décompilation. Donc, c'est vrai, c'est difficile. La décompilation, ce n'est pas quelque chose de facile, donc on délègue à d'autres outils. Niterman a écrit le plugin pour RedTech. C'est un service en ligne de décompilation. Ça a été écrit en Node.js et ça leur télécharge sur leur serveur et ils ont une API pour récupérer le désassemblé. Donc, il y a des commandes et du code qui assemble aussi dans le shell. Sinon, il y a le projet Radeco qui est pour le décompileur, mais c'est pas, ça a été exactement le Summer of Code, mais c'est encore en progrès, ça fonctionne pas encore depuis l'essai, mais c'est pas, ça ne résout pas de vrais problèmes de nos jours. Mais d'ici de quelques années, ça devrait être une option. Il y a aussi Boomerang, qui a été supporté par Radar 1. Je pense que Boomerang n'est plus maintenu, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour le supporter dans Radar 2. Mais bon, on peut le porter des scripts des Radar 1 à Radar 2. La semaine dernière, j'ai porté le décompileur Snowman, qui supporte différentes architectures. On peut faire une démonstration rapide. Donc, on reviendra quand ça aura décompilé. Donc, parlons de désassembler. Désassembler, c'est un des bons points de Radar, puisqu'il y a beaucoup de possibilités pour désassembler. Vous pouvez coloriser les instructions en dépendant du type d'instruction. Ça peut chercher de voir les points mathématiques, différencier les parts du code qui sont encryptées ou qui font des trappes. Il y a aussi le support pour analyser les appels et les arguments et les variables. On peut voir où les variables sont utilisées dans les assemblées. Sinon, ça va aussi permettre de voir EAX plus 3 et ça va être plus humain. Enfin, ça va être plus facile pour les humains à lire. Ça va permettre aussi d'avoir un truc qui ressemble plus à du C. Donc, on a R2 Snow, et là, ah non, ça ne marche pas. Parlons de désassembler. Hier, ça marchait. Comme vous pouvez voir, ce qu'on a désassemblé, les instructions sont mises en forme. On peut changer le schéma de couleur.
On peut aussi mettre, ajouter l'ASM ou l'activer. Il tapote. Donc ça nous permet d'avoir ce genre de choses. Et que PDS, c'est un résumé des fonctions, la fonction. Ça permet d'analyser la fonction. Et ensuite, on fait PDS. Et on voit toutes les références des strings et d'appels à cette fonction. On peut en lire un résumé de ce que fait la fonction. On peut aussi utiliser PDC, qui ressemble à une vraie décompilation. Et donc, on voit l'assembleur avec un petit peu de logique pour recréer des blocs, pour inventer des blocs. On peut mettre des commentaires en bas, à droite. Et toutes ces choses sont interactives dans ce mode, en utilisant le grand V. On peut se déplacer dans le code, voir où le saut va atterrir. Sinon, il y a un graphe en ASCII art de toutes les fonctions pour voir les appels. Si vous êtes dans ce, on peut plier, déplier, sauter juste dans l'assemblée au point où vous êtes dans le graphe, ou alors revenir sur le graphe. Donc il n'y a pas d'utilisation de l'utilisateur, mais c'est relativement pratique quand même. D'autres personnes disent que c'est pas stable. Et la raison principale, c'est parce qu'ils utilisent une vieille version, puisqu'ils n'utilisent pas la dernière release ou Git. Donc la stabilité dépend du nombre de crashs qu'on a et les changements au niveau des commandes et des API. Donc maintenant, on a une version 1.x. La plupart des commandes et des API ne vont pas changer, donc ils sont plutôt stables. Les API en C sont plutôt stables également. Mais pour garder la compatibilité à long terme, il peut y avoir des changements additionnels. Donc, on peut faire quelque chose comme ça. Si on tape I, on a les informations sur les librairies. Si on tape S, on peut récupérer les informations sur les sections. Et si on tape ISJ pour JSON, on peut récupérer les informations. Et on peut changer la syntaxe, enfin l'affichage, et pour avoir les informations sous format JSON. C'est intéressant pour pouvoir parser les informations entre les différents formats automatiquement. C'est beaucoup plus rapide que d'utiliser FFI ou avec d'autres langages comme du Python dans lequel il faut parser dans différents langages, ce qui peut prendre beaucoup de temps. La plupart des problèmes qu'on m'a communiqués sont résolus, donc regardez la dernière version sur Git. Les bugs de sécurité sont en général fixés en moins d'une journée, donc une à deux heures en général. Donc, si vous trouvez un problème, j'essaye de vous montrer comment le résoudre. J'essaye d'éduquer la communauté pour être plus responsable et
et pouvoir voilà, pouvoir mieux comprendre où sont les problèmes et c'est aussi intéressant si que vous postiez que vous m'informiez sur la version que vous utilisez. Donc, nous essayons de faire une release tous les 6 semaines. C'est quelque chose que j'ai décidé après avoir vu comment Rust fonctionne. Et ça a été... On a... Avoir un mois, c'est très productif. Et toutes les 6 mois, c'est un peu plus aléatoire. Donc, on ne sait pas exactement quand la prochaine release va être. Et donc, c'est une surprise. Et voilà. Et le truc, c'est que il y a quelques années, je faisais une release une ou deux fois par an. C'était pas super bien pour le projet, principalement parce que il y avait 200 000 commits à ouvrir, il y avait beaucoup de tests. C'était pas tout testé à l'époque. Maintenant, c'est résolu. Par utilisant un temps plus court, on teste tout de suite et on teste plus fréquemment. Et du coup, c'est plus difficile de faire un git clone et d'avoir une version qui fonctionne pas. Mais il y a aussi une version Debian et ils sont relativement stables et ça veut dire qu'ils ne mettent pas régulièrement à jour. Et la version actuelle dans le Debian stable, c'est il y a 5 ans. Donc si on fait un changement il y a 6 ans, ça fait on va voir combien de commits il y a eu depuis 5 ans. Donc je vous recommande de ne pas utiliser les packages Debian. Dans mon repo, il y a les packages. Donc utilisez plutôt ceux-là ou utilisez ceux de sites qui sont un petit peu plus mis à jour, même s'ils sont vieux. Comme je disais auparavant, j'essaye d'utiliser des jeux. J'essaie d'utiliser du RDD. Après qu'on fait une régression, on fait un test et on est certain que ça ne va pas avoir de régression. Fait du TDD, Test Driven Development. Donc, on écrit le test avant d'écrire le code. Donc, à chaque fois que le code est déjà là, il faut écrire le test après coup. Et on fait un refactoring continu pour improviser, pour améliorer la stabilité et la portabilité du code, éviter les bugs, etc. Et supporter et tester tout. Donc, ça prend à peu près un quart d'heure pour tout tester entre-temps. Il y a une demi-heure pour OSX. Donc les Windows de test sont relativement... On essaye de faire du fuzzing dans le process de développement. Donc pour chaque release, il y a des gens qui font du fuzzing avec le command line, avec la ligne de commande, avec les différentes formes de fichiers. On utilise Valgrind, Asan, Clang Analyzer pour trouver des problèmes. Pour trouver les parties qui sont plus buggées et pour résoudre les bugs. C'est important parce qu'il y a tant de contributions et beaucoup de gens sont de gens qui commencent juste à coder. Et donc, on essaye de suivre quelques standards. Il y a un style de code et il y a beaucoup de choses à la communauté. Il y a une autre complainte qui est que ce n'est pas écrit en Python. C'est vrai que c'est pas parfait, mais on peut faire beaucoup d'erreurs, mais Python n'est pas parfait. Peut-être qu'il y a un langage qui va pouvoir remplacer C, maybe Rust ou Swift ou je sais pas. Mais je pense que Rust, c'est celui qui fonctionne le mieux avec la philosophie. Mais si vous utilisez Python, il y a au moins 3 différents bindings, donc différents transports. On va expliquer plus tard. On peut écrire des plugins en Python déjà. La raison pour ne pas utiliser un langage typé dynamiquement, c'est que ça permet de raccourcir les temps de compilation. Il y a tellement d'outils utilisables pour le C. C'est portable sur plus de plateformes. C'est plus rapide, c'est natif. C'est plus petit en termes de mémoire. Il n'y a pas tant que ça dans les binaires.
Donc il suffit de tout linker statiquement et tout va bien. On peut aussi transpiler tout vers JavaScript et c'est suffisant pour 90% de mes problèmes. Pour le reste, vous pouvez utiliser un langage de script comme vous voulez. Parlons de l'interface graphique. Le gros problème, c'est qu'il n'y en a pas. Et terminal, ça fait peur. Les gens ont peur du terminal. Ils aiment bien utiliser la souris et essayer de cliquer. Voilà. Le problème pour R2, c'est qu'il n'y a pas de GUI, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a un mode visuel, il y a un mode visuel découpé, il y a différentes modes web, enfin l'interface web. Il y a ça qui utilise jQuery modal et qui est très bien pour le desktop. Il y a aussi Blazor qui est Node, basé sur Node et Blast, qui interface très bien avec Windows. Avec des fenêtres. Il y a aussi Gradar, qui a été écrit. C'est un terminal avec un petit peu de GTK autour. Il y a quelques boutons et des menus. Au lieu de taper les commandes, on peut simplement chercher dans le menu. Il y avait une interface complète qui a été écrite en. Voilà. Ça marchait pas très bien, mais ça a été abandonné. Parce que c'était ennuyeux à écrire. Et je pense que personne n'est intéressé par ça. Donc je ne l'ai jamais fait de release, mais ça existe. Il y a sinon Bokken, qui est en Python GTK. C'est pas vraiment maintenu. Ça doit marcher avec la dernière version, mais j'ai ajouté de nouvelles fonctionnalités, donc ça va pas marcher. Sinon, il y a quand même Indigo, qui écrit une interface pour .NET. Ça fonctionne que pour Windows. Donc, les dépendances dépendent d'Explorer exe et donc les MFC. Les API, pour l'API, donc ça marche pas sous Linux ou c'est pas portable sous Linux ou OS X. Mais peut-être qu'un jour. Il y a quelques jours à mentionner, donc il a fallu que je l'ajoute dans un slide. Il est en train d'écrire une interface en Qt 5. Sinon une vraie interface utilisateur, l'auteur de Bokken a été en train de travailler depuis un an et demi en Qt et C++ qui ressemble à ça. C'est l'interface principale. Ça supporte le débugage et tout ce genre de choses. Et il va le faire une release l'an prochain. Parlons maintenant du scripting. C'est un sujet un peu compliqué. Donc, si vous avez des problèmes, vous voulez comprendre un peu les commandes et vous voulez savoir ce que vous avez fait. J'ai voulu rendre le langage plus facile à comprendre. Donc, on a des. Les API sont compliquées, donc j'ai rédigé un outil qui nous permet de lire dans différentes langues. Et différents types de librairies. Mais c'est pas stable du tout, puisqu'il y a encore des problèmes de mémoire. Des fois, il a du mal à gérer les références. Et à la fin, j'ai eu l'idée d'écrire R2 Pipe, qui est un pipe, qui est construit sur ces quatre commandes. L'API donne une commande open, qui permet d'ouvrir une couche de transport spécifique. Il y a la commande CMD qui permet de lancer une commande en radar. C'est la même chose avec la version JSON, donc qui sort du JSON comme retour. Et sinon, il y a pour quitter. Il y a juste une seule commande, il y a une seule méthode dont il faut se souvenir pour utiliser cette API.
Let's make a quick demo for this. Faisons une démonstration rapide. This is a script for getting the. C'est un script pour récupérer le fichier de configuration de Mirai. C'est un botnet. This is the script. C'est le script en Python, en utilisant R2Pipe. Je vais simplement extraire le fichier de configuration du binaire. Et je vais l'utiliser comme Python. Je le lance comme ça. Et voici le fichier de configuration. On peut l'utiliser à partir de radar. Voilà, donc on a le même résultat. Ou du shell. On peut interpréter le fichier en utilisant le point et ça le lance. There are so many examples in many different programs. Beaucoup d'exemples dans différents langages. Donc ça, c'est la liste des langages que l'on supporte avec R2Pipe. Donc, tout ne supporte pas tous les transports, mais R2Pipe peut être utilisé par HTTP, peut être utilisé par TCP, on peut l'utiliser avec des pipes, envoyer directement dans un pipe et rentrer dedans. Ça fonctionne sur toutes les plateformes, Linux, Windows, OS X. Voilà. Il y a des exemples dans le répertoire. Donc, si vous allez dans le repo, vous allez voir les exemples. Voici l'exemple pour Node.js. Et on peut voir l'exemple, il y a un bot IRC. Il y a aussi un émulateur syscall qui implémente un handler de syscall en JavaScript. On peut voir ce Hello World qui est simplement ce code. Et il faut que je le lance à l'intérieur de NPM. OK. Ah, ça marche pas. Ah, je peux le changer. Bon, le Python, l'exemple en Python, c'est la même chose en Python. Donc, nous voyons le handler syscall et ils disent que vous pouvez utiliser un émulateur pour réémuler le code et ensuite vous avez le script en R2Pipe et tout va bien. Sinon, le debugger est confus, qu'il est un peu bizarre parce que c'est un debugger de bas niveau. Et la raison principale, c'est que j'essaie pas de remplacer les debuggers sources. Il y a GDB, LDB, et différents débuggers de sources, mais radar est principalement pour des binaires dont on n'a pas le code source. Donc, si vous commencez à débugger avec d'autres outils, vous êtes dans le système et pas des points d'entrée. La raison, c'est qu'il y a certains systèmes de fichiers ne vont pas pouvoir l'utiliser, ou des choses qui vont être exécutées avant le point d'entrée, ou qui ont plus d'un point d'entrée. Et il y a aussi des changes en mémoire, qui vont pas être appliqués sur le disque. Et j'ai patché, donc du coup, je peux patcher le binaire en mémoire. Mais on patche en mémoire et pas le binaire en lui-même. Si vous voulez créer un environnement, il faut utiliser RARM2, qui va créer un profil avec le user ID, avec le change root, avec tous les arguments de la commande. Si vous voulez changer les entrées et les sorties, si vous voulez avoir une socket qui va écouter sur un port spécifique, vous pouvez créer ce profil
c'est pratique pour certaines choses. Donc les bases du debugger, vous pouvez spawner, vous pouvez attacher, vous pouvez... Il y a des plugins. Comme je le disais auparavant, il y a des plugins pour beaucoup de choses. Il y a plus d'un debugger natif. Il y a un debugger pour Windows. On peut attacher avec GDB. On peut attacher à WinDBG. On a tous les debuggers avec la lettre D. On peut faire en local ou en distant. Il y a aussi DX qui permet d'injecter du code. De changer l'état. Le back-end GDB ne fonctionne pas sur toutes les plateformes, tout simplement parce que le protocole GDB est un peu pourri. Il y a du XML. C'est une très mauvaise décision. Et ils essaient de réimplémenter les choses pour chaque plateforme. Donc, quand on essaie de connecter sur une nouvelle plateforme, il faut utiliser une solution différente pour écrire, lire les registres ou la mémoire ou mettre des grade points. Donc c'est un peu compliqué. Donc ça marche. Ça permet d'utiliser les debug, de débugger les noyaux Linux par exemple. Sinon il y a R2LLDB. C'est un projet que j'ai écrit pour NoSecure. Et c'est un script qui est à l'intérieur de LLDB et ça va lancer un script Python. Et on peut utiliser toutes les fonctions d'écrire et de lire dans la mémoire avec Radar 2. C'est un shell. Et c'est pratique si vous travaillez avec des machins Apple, comme Apple Watch ou iPhone. Vous pouvez utiliser cet outil pour débugger vos binaires. Il y a sinon R2 Frida, c'est un traceur dynamique, une bibliothèque avec un interpréteur dedans et on pouvait utiliser vos scripts ou utiliser cette bibliothèque. Ce projet était écrit par Yulendre, qui travaille aussi dans ma compagnie. Ça fonctionne sur beaucoup de plateformes, OS X, iOS, Windows, Linux. C'est relativement rapide. On est en train de penser avec JavaScript. Et on peut penser que c'est lent, mais c'est relativement vite. Ça permet l'introspection à l'intérieur du process, donc on peut débugger directement le process. On va passer à la démo. So I have Node.js running in this terminal, and I have Radar 2 in the other one, and I will use Frida to attach to this process. Right now. Tout voilà, j'ai deux terminaux. J'ai mon JS d'un côté. And we can see the list of commands from the Frida plugin. Et là, j'ai la liste des commandes du plugin Frida. Donc, on peut avoir des informations sur les binaires, on peut avoir des informations sur les exports. Oups. Petit plantage. You can read write memory from the target process. You can modify it or do whatever with it. You can also analyze it. Donc là, on voit le processus. On peut le modifier comme on veut. On peut aussi l'analyser. Ça devrait marcher. Bon, ça ne marche pas. Okay, so what I'm gonna do now is donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser la commande DTF qui nous permet de tracer des symboles spécifiques. Donc on utilise des strings pour des chaînes de caractères pour lancer la fonction. Donc à chaque fois qu'on a quand on trouve le résultat, on va voir l'output ici. On peut aussi faire des bug traces de cette manière-là.
On va parler des îles. C'est une VM qui vient avec R2. Donc ça transforme toutes les instructions en chaîne de caractères. Donc on voit ici la chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères représente ce que fait la fonction. Donc ça supporte... C'est un langage qui est basé sur une pile. C'est un petit peu comme Force. Donc ça peut changer les instructions de vous-même sans tout recompiler. C'est utilisé pour mapping, pas pour l'émulation. Ah, si, pour l'émulation. Donc ça permet de spécifier une chaîne spécifique. Vous pouvez dire je veux continuer l'exécution avec ce registre avec une certaine value, une valeur qui a changé, ou alors vous identifiez quand est-ce qu'un saut spécifique va être exécuté ou pas, ou chercher des endroits dans la mémoire, trouver une certaine région de mémoire qui va contenir quelque chose de spécifique. C'est parfait pour ça. Ce sont certaines des commandes qui sont utilisées pour l'émulation. C'est un peu la même chose que pour le debug, mais utilisant AE au lieu de D. Et s'il y a aussi un support pour Unicorn, mais ce n'est pas aussi complet que pour Ezil. Donc, voici CrackMe. Donc, voici le script. On peut l'utiliser en faisant ce script R2Pipes. Donc, cherchez un symbole que vous voulez émuler, ajoutez le code dedans, et ensuite stoppez au moment où vous comparez les deux chaînes de caractères et regardez les valeurs des registres. Donc, voici le mot de passe. Et ça fonctionne de la même façon pour Python. Ce qu'il fait, c'est chercher la fonction check password. Et à l'intérieur de la fonction, il va aller chercher une comparaison de chaîne de caractères et ensuite regarder la valeur des registres. Si vous faites ça, vous allez voir par exemple dans le debugger, vous pouvez continuer l'exécution à partir d'un point d'entrée et utiliser DRR pour... On n'est pas dans le debugger. Donc continuons à partir du point d'entrée. On va chercher les informations sur les registres et où est-ce qu'ils pointent. On peut faire la même chose dans la stack, dans la pile, pour récupérer tous les pointeurs sur des chaînes de caractères. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont utiles à partir de là. Par rapport à l'exploitation, ce qui est mon slide final, il y a vraiment... beaucoup de fonctionnalités qu'on peut utiliser pour l'exploitation des données. On peut patcher le code en mémoire avec une fonction comme ceci. Voilà, je suis dans le debugger, il faut que je sorte. Donc je peux mettre le curseur où je veux et je peux taper A et A majuscule et insérer les informations. Donc ça peut être intéressant pour les environnements spécifiques. On a des fonctionnalités intéressantes comme récupérer des différents patterns ou différentes informations dans un output avant de les extraire. Donc voilà un exemple avec Radar 2 qui va vous permettre d'extraire
d'extraire des informations et de les afficher dans... On a tous les gadgets wrap dans le côté gauche, wrap. On peut ajouter des objets ou les retirer, et on peut aussi les déplacer de haut en bas. Donc une fois qu'on a préparé ça, on peut simplement débugger. Et donc on a le terminal qui est prêt pour débugger le ROP. Et donc, à l'intérieur du terminal, après, on peut sélectionner les objets qu'on veut débugger. Et pour terminer, je vais vous montrer une des raisons pour laquelle vous pouvez utiliser Radar 2 pour des exploits. Comment on peut l'utiliser? Donc ça c'est un. From 1 month ago, I don't know if you know the Dirty Co vulnerability, but it's pretty funny. Je ne sais pas si vous connaissez Dirty Co, mais c'est assez drôle. Donc ce que ça nous permet de faire, c'est modifier des fichiers. Par exemple, on va dans etc service. Donc on voit que on n'a pas l'autorisation, mais si j'utilise le Dirty Co, le plugin Dirty Cow, je peux voir et si j'écris une chaîne de caractères, vous voyez que ça ne change pas. Donc il faut que j'écrive plusieurs fois pour que ce soit visible et pour que je puisse patcher les binaires. Donc on peut faire juste un cut et récupérer la chaîne de caractères qu'on a modifiée. Donc on peut utiliser IO plugin ou tout autre type d'IO pour faire ces modifications. Donc je suis désolé, on n'a pas le temps pour des questions, mais Sergi a dit qu'il allait essayer d'arranger un petit meeting ici pendant le congrès. Où peut-on te trouver? Tu sais, à n'importe quel endroit où je peux rencontrer des gens. Donc, moi, je me suis connecté à lui. Je vous propose de vous connecter à lui sur Twitter et de lui demander où vous pouvez le trouver. Merci d'applaudir.